Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Accessoires photo pour studio. Alors, j'ai pas forcément trouvé mieux là comme titre, mais en tout cas, ça ira très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un accessoire qui est le parapluie. Et aujourd'hui, principalement, on va parler du parapluie à intérieur argenté. Alors, Francine aura fini de jouer avec les lampes pilotes. Voilà. À l'intérieur, son gros avantage, c'est qu'il est entièrement argenté de partout. De ce côté-là extérieur, un tissu qui ne laisse pas passer la lumière. Donc, vous récupérez 100% de la lumière sur toute cette surface. Alors, le parapluie, c'est un accessoire que beaucoup de monde utilise. Attention néanmoins, si vous faites du studio et que vous avez un make-up un peu trop brillant, votre modèle sera brillant parce qu'il va vous rendre l'intégralité de la lumière qu'il peut encaisser. Donc, on va faire comme d'habitude, on va faire une petite photo avec les paramètres école. Donc, ça sera 160 f8 et c'est parti. Aurais-tu la bonté de lâcher le flash? Merci. Donc, vous voyez cette photo que là, pour le coup, c'est la lumière, une lumière extrêmement diffuse, sur, principalement concentrée par contre sur le visage de Céline. Et si j'agrandis un petit peu le cadre pour vous montrer où la lumière va, on voit que là, la lumière à gauche est là et que ça éclaire partout et ça s'arrête plus ou moins ici. Donc, en gros, la différence avec une softbox, c'est que c'est beaucoup plus concentré que le reste. Ce qu'on va faire maintenant, c'est changer un petit peu tout ça. On va passer en mode manuel, histoire de changer un petit peu pour ne pas rester tout le temps en TTL. Et on va faire quelques essais avec ce magnifique petit parapluie. Donc là, on voit cette photo que c'est clairement trop violent, donc on va baisser un petit peu, on va baisser d'un petit diaph, et je pense que si elle me fait un joli petit sourire, voilà, on commence à avoir quelque chose, pour moi, d'un peu trop fort encore. On va rapprocher un petit peu, le mettre comme ça, voilà, on va même l'éloigner un peu, vous voyez, hop là, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors ce qu'on pourrait faire ici, tu en as peut-être, non, on peut pas là pour l'instant, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre encore plus haut, histoire d'aller éclairer vraiment. Hop. Voilà. Et on va le mettre un petit peu comme ceci. Donc, regardez bien, les lampes pilotes sont là pour vous aider. Regardez bien où la lumière va. Ça vous fera gagner un temps monstrueux. On continue. Voilà. Donc là, on a un petit effet sympa. On a juste un petit défaut de lumière sur le côté gauche de Céline qu'on peut très facilement venir compenser avec un petit réflecteur. Donc, on va essayer ça tout de suite. Hop, tu vas le tenir et tu vas le mettre, attends, ouais, un peu plus par là. Donc, n'hésitez pas à utiliser les lampes test, hein, elles sont là pour ça. Là, on utilise un réflecteur, on fait un petit éclair avant, voilà. Et là, on voit qu'avec un petit réflecteur de 60 cm et un petit parapluie, on a réussi à faire une jolie photo. Alors, je ne vous cache pas qu'elle aurait pu sourire pour se forcer un petit peu, donc, mais en tout cas, on a une jolie photo assez douce. Ce qu'on peut faire sur ces parapluies, c'est qu'on peut les agrémenter, hop, je vais poser ça là, d'un petit diffuseur de lumière devant pour faire un petit peu l'effet softbox. Alors, je le monte et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on a monté le préservatif à parapluie. Donc, on va pouvoir commencer à jouer avec le côté argenté, le côté diffuseur de lumière et on va pouvoir continuer à travailler avec Céline pour réaliser une belle photo. Donc, on a le parapluie, on a le préservatif. On le voit sur le côté ici, la lumière ne peut pas sortir ailleurs que par ce système-là. Il y a un petit cordon pour fermer tout ça. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On est exactement dans les mêmes réglages que tout à l'heure. À peu de choses près, parce qu'on s'est un peu battu avec le diffuseur. Voilà. Donc, vous voyez, là, on vient vraiment de diffuser la lumière. Alors, on va faire une image transcendante. On va pousser un peu tout ça. Voilà. Donc là, on voit bien, première image, on était vraiment un peu sombre. Là, on a vraiment augmenté la lumière, même un peu trop, je trouve, à mon goût. On va baisser un peu. Et si je vous montre là où va la lumière maintenant et la douceur qu'elle a par rapport à tout à l'heure, hop. Voilà, vous voyez que c'est quand même très concentré sur ces lignes, mais on a un petit peu plus de lumière ici, un petit peu plus, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus harmonieux.
C'est un peu moins violent que l'argenté pur, mais ça permet dans un parapluie de faire une softbox, certes directive, mais une softbox. Donc dans un équipement, vous avez une softbox et un parapluie. Il suffit un petit peu de bricoler le truc, mais ça marche plutôt très bien et ça vous permet d'avoir des petits accessoires de studio pour des prix raisonnables. Donc, pour terminer sur ces parapluies, il existe plusieurs tailles. Il y a la taille de studio, il peut aussi y avoir la taille d'extérieur, d'accord? Donc là, c'est vraiment un très très gros parapluie. Hop là, je vais le prendre un peu. Voilà. Donc, c'est un parapluie où on peut avoir les mêmes accessoires que sur ceux-là. C'est juste que plus le parapluie va être grand, plus il va diffuser la lumière, d'accord? Et plus vous allez pouvoir mettre de monde dans votre éclairage de studio. Donc, par exemple, pour des photos de famille, des photos de groupe, quand vous êtes en studio, c'est plutôt soit des grands parapluies qu'on va utiliser, soit des grandes softbox. On va mettre là en attendant. Voilà pour cette dernière vidéo. Alors, ce n'est pas exactement la dernière parce que j'ai reçu des défis pendant cette diffusion qui était « Est-ce que tu sais réaliser un portrait en moins de 10 minutes ?» Alors, la réponse est oui. Après, ça sera un portrait qui me plaît moi, d'accord ? Donc, ce sera ma gestion de la lumière. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer rapidement comment avec un bol beauté et une softbox, on arrive à faire de la photographie de studio hyper sympa. Rendez-vous prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à Facebook, à Twitter et à très bientôt.